Qu'est-ce que le stress ? Naturellement, notre corps est en situation d'équilibre. Mais il peut arriver qu'un facteur de stress vienne le perturber. Des examens qui arrivent à grands pas, de gros challenges au travail, les enfants à gérer en même temps ou encore une compétition sportive. L'organisme va alors réagir pour conserver cet équilibre. Cette réaction s'appelle le stress. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous stressons ? La réaction se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, une réaction immédiate du corps. Elle permet d'accélérer le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Elle mobilise les ressources énergétiques nécessaires en sécrétant de l'adrénaline. Ensuite, le corps s'adapte et libère de l'énergie grâce notamment à la production du cortisol qui va libérer du sucre dans le sang. Vous avez sûrement déjà entendu parler de bon ou de mauvais stress. Le stress est avant tout bénéfique pour nous et permet d'améliorer nos performances pour nous surpasser. Cependant, si le stress est trop intense ou dure trop longtemps, il peut devenir néfaste pour notre corps. Les éléments déclencheurs du stress peuvent varier. Un manque de contrôle sur la situation, un événement imprévisible, un quotidien personnel et professionnel intense par moment. Pour faire face à ces situations stressantes, il existe quelques pistes faciles à mettre en place. Anticiper, relativiser, faire des exercices de respiration ou de relaxation, faire du sport et avoir une bonne hygiène de vie. Des solutions à base de plantes adaptogènes comme la rhodiola rosea et le bacopa monnieri sont de véritables alliés pour aider à gérer le stress. Découvrez Euphytozen, une association unique de plantes adaptogènes pour gérer le stress du quotidien et d'Oxymum Sanctum. Euphytozen, zen face au stress.